dire non. Tu peux lui dire va-t'en. Tu peux t'en aller et refuser d'être sauvé. Mais tu n'empêcheras pas à Jésus de t'aimer. Tu ne l'empêcheras pas. Je dis bonsoir à tous et je souhaite bon sabbat à tous également. Au coucher de ce soleil, le sabbat a commencé puisque nous sommes entrés au septième jour de la semaine. Donc, et à cette occasion, nous nous disons bon sabbat. C'est bonne adoration de l'Éternel. Alors, nous partons encore pour Israël. Très bien. Ici, nous sommes donc à Capernaum, qui est le quartier général de Jésus. C'est là qu'il louait une maison. Et ici, c'est la synagogue où chaque sabbat, quand Jésus était à Capernaum, il allait dans ce lieu pour adorer Dieu. Et je peux vous dire que pour la première fois de ma vie, j'ai eu une vision de Jésus alors que je priais près de cette synagogue. Je l'ai vu venir vers moi, il a posé sa main sur mon épaule droite et au même instant, j'ai reçu un texto sur chacun de mes portables. Et il m'a fait dire,
Alors que je devais entrer en Martinique, je serai avec toi, je serai devant toi, n'aie pas peur. Alors voici l'intérieur de la synagogue et observez la différence d'avec notre temple. Dans la synagogue, il y a deux rangées de bancs. Ici, à droite et à gauche, ce qui veut dire les membres se faisaient face. Et le modèle que nous avons, c'est Constantin le Grand qui nous l'a donné. On ne se fait plus face, on ne voit que des derrière-têtes. Et on ne voit qu'une seule face, le prédicateur. Donc, il y a diminution de communication dans le modèle Constantin, mais dans le modèle synagogue, le mot synagogue veut dire ensemble. Donc, on marche ensemble. Vous voyez la différence? Nous passons à la deuxième vidéo. Voici donc les restes des maisons de Capernaum, une partie. Les maisons étaient faites comme les pierres de la Martinique, des pierres de basalte, des pierres galées. Pierre Galette, d'accord? Donc, c'est ce qui reste des soubassements des maisons. Et Jésus habitait dans une de ces maisons. Mais au moins, tout à l'heure, nous irons chez l'apôtre Pierre, ou du moins ce qui reste de sa maison, parce qu'il était entrepreneur de pêche et il est le seul à avoir un type de maison tel qu'il en avait. Tout à l'heure, nous irons à la maison de l'apôtre Saint-Pierre. Voilà. Ensuite, l'autre vidéo. Voici au loin la maison à partir de la synagogue, comme vous voyez, pas trop loin. L'apôtre Pierre habitait là. Et l'Église catholique a acheté cet endroit et a bâti une église suspendue au-dessus du soubassement de la maison de l'apôtre Pierre. Et cette église a la même forme que la maison de l'apôtre, une forme octogonale. Nous allons donc tout de suite voir les soubassements de la maison de l'apôtre Pierre. En tant qu'entrepreneur de pêche, il avait du goût. Prochaine vidéo. Voici comment était la maison de l'apôtre Pierre. Et quand Jésus sortait de la synagogue, il allait manger chez l'apôtre Pierre. Et à une occasion, il a guéri la belle-mère de Pierre dans cette maison. Et la maman, la belle-mère de l'apôtre Pierre, a eu l'occasion de servir Jésus à manger le sabbat dans cette maison. Voilà, forme octogonale. Il avait du goût, notre cher Pierre. Très bien, nous venons à notre sujet de ce soir. Avec Jésus, jusqu'au bout, comment? Debout. Nous avons vu que le péché nous a fait perdre les deux vies que Dieu nous avait données et il nous a mis dans la boue. Jésus, lui, il veut nous remettre debout et que nous puissions arriver debout jusqu'au bout. Et le bout, c'est son retour. Là, on ne va plus tomber dans la boue. Ce sera fini. Ce jour-là, ce ne sera pas une transplantation cardiaque divine, elle aura déjà été faite. Là, nous recevrons un corps céleste immortel et là, ce corps étant sorti d'en haut, reste debout éternellement. Parce que il n'y aura plus de nuit pour dormir, donc l'éternité, c'est un jour sans fin. Voilà. Pour accéder à ce moment de grand rendez-vous avec Jésus, rendez-vous debout, il nous faudrait adorer
pour être transformé. Et c'est si la transformation se concrétise à partir de la transplantation cardiaque divine, nous allons vivre avec Dieu et selon Dieu en attendant l'enveloppe immortelle. Mais tout notre en dedans sera déjà comme l'en dedans de Dieu. Mes amis, l'adoration est au cœur du système de la vie. Le principe est le suivant. Dieu, il est le créateur et il doit être dans le cœur de la créature. Voici la place de Dieu. Dans le cœur de la créature. Et ce soir, nous pouvons nous poser la question. Dieu, est-il dans mon cœur? Dieu est-il dans mon cœur? Lucifer fut le premier à cesser d'adorer Dieu. Il a enlevé Dieu de son cœur. Il est devenu tout de suite le diable et Satan. Péché, mes amis, c'est cesser d'adorer Dieu. C'est un acte d'indépendance. Et chaque fois que nous commettons un péché, nous posons un acte d'indépendance, nous mettons Dieu dehors. Et quand nous mettons Dieu dehors, nous faisons Satan entrer. Et quand Satan entre, c'est lui qui dirige. Et c'est pourquoi on fait le mal. Car Dieu ne fait pas le mal. Quand Dieu te dirige, tu fais ce qui est bien, ce qui est juste. Car tu lui dis que ta volonté soit faite. Mais quand c'est Satan qui est assis et qui dirige, eh bien, on fait sa volonté. Les créatures de Dieu dépendent de lui pour leur existence, tout comme les branches dépendent du tronc pour vivre, pour pousser des feuilles et donner des fruits. Quand Dieu nous sauve, il nous ramène à la véritable adoration pour continuer à exister. C'est pourquoi les chrétiens sont mis en stage d'adoration pour voir s'ils sont capables de vivre la vie éternelle, car dans la vie éternelle, eh bien, c'est l'adoration qui fait que les êtres restent à vivre. Si on passe le stage d'adoration, on aura réussi la vie éternelle, le bac, brevet d'aptitude céleste. Ce soir donc, il nous faudrait retourner à l'école. À la fin de notre expérience, Dieu jugera la qualité de notre adoration pour nous mettre au ciel. Si on a réussi le stage d'adoration, il dira, on peut lui faire confiance, il est apte au ciel. Par la véritable adoration, Dieu travaille à nous transformer à son image. Voilà pourquoi Jésus, il a fait cette déclaration à la femme samaritaine. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu nous a payés tous. Il nous a déjà payés tous. Mais pour débarquer au ciel, il faut être adorateur. Et c'est pourquoi Dieu nous met en stage d'adoration. Alors, comment adorer en esprit et en vérité? Et quel sera le résultat de cette adoration dans la vie du croyant? L'adoration a un principe. Et ceci est dans l'univers entier. Le principe de fonctionnement de l'univers tel que le Créateur l'a dessiné. Du microcosme au macrocosme. De l'inerte à l'actif. Voyons cela. De l'atome à la galaxie, il y a une loi. L'atome, c'est la plus petite partie divisible d'un corps. Et remarquez l'atome, vous voyez, il y a un noyau au milieu. Et le noyau n'est pas noirceur, le noyau, c'est lumière. Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? Lumière ou noirceur? Et remarquez bien, autour du noyau,
il y a des électrons qui tournent. Il y a plusieurs électrons, chacun dans son orbite. Et aucun ne heurte l'autre. Donc, il n'y a pas de réaction atomique. Et ça, c'est la troisième loi du ciel. Première loi du ciel, c'est l'amour pour l'adoration. Deuxième loi du ciel, c'est le service pour la coopération. Et la troisième loi du ciel, c'est l'ordre pour ne pas mettre du feu. Et c'est dans le monde physique. Et c'est pourquoi quand nous transgressons les lois physiques, nous tombons malades aussi. Voilà. Mes amis, voici la galaxie. Et nous voyons que la galaxie aussi a un centre. Donc, autour du centre de la galaxie, toutes les étoiles et les planètes, les constellations tournent également. Et toutes les galaxies, maintenant, gravitent autour du trône de Dieu. Et Dieu leur dit, il fait toute l'armée des cieux marcher en ordre. Et aucun élément de l'armée ne manque à l'appel de Dieu. Ordre. Voilà pourquoi Dieu nous met dans l'Église, c'est pour intégrer ces trois lois du ciel. Amour, service et ordre. Donc ici, nous sommes en stage de vie céleste. Dieu devrait être au centre de la vie de l'homme, dans son cœur. Et lorsqu'il nous avait créés avec la vie bios et la vie zoé, Dieu était au cœur de notre vie. Il était dans le cœur. Et c'est pourquoi au départ, l'homme vivait éternellement, parce que Dieu qui est éternel et immortel était en lui. Mais lorsqu'il a fait Dieu sortir dehors, il a fait Satan entrer, alors il est devenu organisme génétiquement mal modifié pour mourir maudit et sentir mauvais. Voilà. Et c'est notre sort à tous. Quand Dieu est hors du cœur et hors de la vie, c'est cela. Mais quand nous sommes vivants et que nous retournons à la véritable adoration, certes, nous allons sentir mauvais par rapport à la biologie. Mais nous ne mourrons pas maudits. Amen. Et ça fait la différence. Parce que quand l'enfant de Dieu descend au tombeau, il descend avec la vie éternelle. Alors, Dieu veut ramener l'homme au bon fonctionnement. Il veut nous ramener au fonctionnement du ciel. Comment se prendra-t-il pour y parvenir? Observez ceci. Dieu va utiliser deux éléments, la loi et la grâce. La loi, c'est comme la radiographie. Remarquez bien, la loi est comme cette radiographie qui va faire voir comment est l'os. À quel niveau il est cassé, en combien de morceaux et quelle est la gravité. On ne peut pas voir ça à l'œil nu, mais la radio te fait voir, voici, l'os est cassé à tel endroit et il faut réparer. Mais est-ce que la radiographie peut réparer un os cassé? Non, la loi c'est ça, la loi te fait voir le péché, mais la loi ne peut enlever ton péché. La grâce, c'est le travail que fait le médecin pour la réparation et la guérison. La radio ne peut pas emplater une jambe. La radio ne peut pas faire cela. La grâce, c'est le médecin qui soigne pour la guérison. Et c'est pourquoi nous disons, c'est par grâce qu'on est sauvé. Mais remarquez bien, quand on a arranger la jambe. Après, il faut faire de la rééducation. De même, après avoir reçu la grâce, Dieu nous met en rééducation pour marcher droit et rester debout. Car quand la jambe est cassée, même si on a la volonté, on est obligé de rester couché. Mes amis, la loi, la grâce et l'adoration, ainsi que la transformation, voici le cycle pédagogique de Dieu
pour que nous puissions passer le bac, brevet d'aptitude céleste. La loi est la norme de la vérité de Dieu. C'est l'expression du caractère de Dieu. Et elle doit être implantée chez nous par rééducation céleste. Dans Romains 7, versets 7, 12 et 14, lisons ce que Saint Paul nous dit. Romains, chapitre 7, verset 7, verset 12 et verset 14. Il nous dit, « Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là, mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit « Tu ne convoiteras point. » Verset 12. « La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Et c'est pourquoi la loi me fait voir qu'est-ce qui n'est pas bon, saint et juste en moi. » C'est la radiographie. Verset 14. L'apôtre dit « Nous savons en effet que la loi est spirituelle. » Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. La loi a la même nature que son auteur. Dieu est esprit, la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché, donc vendu au diable. Mon papa Adam m'a vendu au diable. Je prends naissance tout vendu. Car quand les esclaves prenaient naissance à la Martinique, comme en Guadeloupe, ils prenaient naissance esclaves. Non pas par choix, mais par circonstance. Eh bien, du fait que Adam a été mal modifié, nous naissons pareil, donc vendus au péché. Mais le péché va nous empêcher d'entrer au ciel, pas vrai? Tout comme celui qui a la jambe cassée ne peut plus courir. Le diable nous a cassé la jambe pour rester à terre, n'est-ce pas? Mais heureusement, Jésus a ce qu'il faut pour nous remettre debout. Il a radiographié et il a de quoi maintenant pour pouvoir nous implanter et pouvoir maintenant reprendre l'aptitude à la marche. Donc, Dieu est esprit, la loi est spirituelle. Ensuite, Dieu est saint, juste et bon, la loi aussi est saine, elle est sainte. Elle est saine pour nous emmener à une vie saine et une vie sainte pour que nous soyons justes et que nous soyons bons comme Dieu. Donc, l'en dedans de Dieu, puisque la loi est sortie du dedans de Dieu, de par sa bouche, il l'a écrit après l'avoir prononcé. De même, lorsque Dieu implante cette loi en moi, j'aurai le même en dedans que Dieu. Donc, il me rachète pour pouvoir maintenant réinstaller sa propre vie en moi. Et c'est pourquoi nous avons vu la formule mathématique de la vie éternelle. En fonction de ta connexion par la foi avec Dieu, tu vas vivre en harmonie avec les 10 commandements. F de E égale H10C. Formule mathématique. Mes amis, la grâce est le processus mis en place et le pouvoir que Dieu exerce pour l'extirpation du péché dans le cœur et l'installation de sa loi. Et malheureusement, Satan fait croire à beaucoup de chrétiens que la loi est abolie et maintenant on est sauvé par grâce. Oui, on a implanté ta jambe, mais et la rééducation. Donc tu vas rester invalide, assis avec plate en jambe, n'est-ce pas? Alors, voyons comment fonctionne la grâce, car il est important pour nous de bien connaître et comprendre la grâce. L'apôtre Paul nous dit dans Tite 2, versets 11 à 14, comment la grâce opère. Tite, c'est avant l'épître aux Hébreux, avant Hébreux à Philémon, et Tite vient avant Philémon. Donc, nous avons Timothée,
1 Timothée, 2 Timothée. Ensuite, nous trouvons Tite. Alors, Tite chapitre 2, versets 11 à 14. L'apôtre nous dit, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. La grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Donc un peuple rééduqué, capable de marcher droit, debout et aller jusqu'au bout. Donc quand Dieu nous accorde la grâce, il nous remet debout, il nous apprend à marcher pour que nous puissions arriver debout jusqu'à son retour. Amen. Et c'est pourquoi on dit que c'est par grâce qu'on est sauvé. Donc la grâce n'est pas une faveur imméritée qu'on t'a fait en payant tes péchés, mais on te dit, maintenant qu'on a payé tes péchés, arrête de pécher, apprends à marcher droit. C'est ça la grâce. Ouais. On t'a payé pour rester debout maintenant. Il y a des gens qui voudraient être payés pour aller au ciel, mais tout le temps se vautrant dans la boue. Ça, non. Ce n'est pas possible. C'est important de comprendre la grâce. Donc, l'apôtre nous explique. Dieu a versé une rançon pour avoir le droit de transformer les hommes qui sont volontaires. Car comme l'apôtre Paul nous a dit, nous avons été vendus au péché. Donc, Dieu nous a payés. Mes amis, il est bon, hein? C'est lui qui nous a créés, l'homme nous a volés et Dieu doit payer encore. Mais Dieu est tellement bon, il paie parce qu'il nous aime. Mais maintenant qu'il nous a payés, c'est pour avoir le droit d'enlever le péché. Et souvenez-vous, le larron qui était sur la croix. Il a fait du brigandage pendant toute sa vie. Et Dieu lui permet juste le dernier jour de rencontrer son sauveur. Aïe, aïe. Il a commencé par injurier le sauveur, sans savoir que c'était son sauveur. Mais lorsqu'il a vu comment Jésus réagit sur la croix, il a compris, d'après l'inscription qui est sur sa croix, que ce n'est pas un brigand comme lui-même. Et il a dit, souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne. Et cet homme qui a fait brigandage, qui mourait comme un meurtrier, Jésus en quelques secondes lui a dit, je prends ta charge, je paie pour toi. Tu seras avec moi. Amen. Mais si ses pieds n'étaient pas cloués et qu'il était à terre comme l'apôtre Pierre, il devrait marcher droit, n'est-ce pas? Dieu lui a accordé sa chance. C'est comme nous avons dit, quand nous avons donné le jus à Satan, Dieu prend la bagasse. Et c'est ça avec le larron sur la croix. Il prend la bagasse et tout ce qui reste. L'homme n'a eu l'occasion de faire aucun bien. Mais il a reconnu le paiement versé pour lui. Il a dit, mets-moi sur la liste, je veux décoller. Amen. Et Jésus lui a dit, ok, je t'inscris. Et il est partant pour le ciel. Et il peut être devant beaucoup d'entre nous, si nous ne faisons pas attention. Alors, deuxièmement, nous voyons, Dieu va enlever toute iniquité qui est la transgression interne de la loi. En grec, iniquité, c'est anomia, qui veut dire mépris de la loi, rejet de la loi. Donc, quand tu reçois la grâce, on enlève en toi l'envie et l'habitude de mépriser la loi. On te donne le goût de vivre conformément à la loi. La grâce enlève cela. C'est comme le boyau du poisson qui gâte le poisson. On enlève le boyau d'abord. Et le poisson peut attendre la friture, n'est-ce pas? Quand Dieu te paie, c'est pour te nettoyer. Il enlève en toi ce qui te gâte. Donc l'iniquité, c'est ce qui nous gâte. Le péché commence dans le cœur invisible et après il sort dehors. Comme le fruit à pain, n'est-ce pas? Le fruit à pain est dans le lait. On ne voit pas le fruit à pain. Mais arrivé à un moment donné, il sort et dit que c'est un arbre à pain qui est planté là, n'est-ce pas? On reconnaît l'arbre à son fruit. Troisièmement,
il va purifier et donner l'envie de ne faire que le bien, puisqu'il a fait une transplantation cardiaque divine. Et avec ce cœur-là, tu n'as envie de faire que ce qui est bien. Alors, quatrièmement, il donne la capacité à renoncer régulièrement à l'impiété et aux convoitises mondaines qui corrompent. Parce que Satan, il sait maintenant que tu es payé, tu appartiens à Dieu, il va faire de la publicité pour te salir. N'oubliez pas cette petite phrase que je vais vous dire maintenant. Belle bagaille, assis la tête, c'est publicité pour l'enfer. Belle bagaille, assis la tête, c'est publicité pour l'enfer. Le plus beau fruit du jardin, n'était-ce pas la publicité? Le diable l'a utilisé. Si tu manges de ce fruit, tu seras. Elle a planté ses dents. Elle fut en dedans, sans dents, et nous tous dedans. C'est pourquoi face à la publicité, ne mets pas ta main en poche. N'achète pas. Ne consomme pas. Même si c'est beau, même si c'est bon, mais ce n'est pas fonctionnel pour le ciel. Cinquièmement, la grâce amène la personne à vivre dans le siècle présent, le 21e siècle. Mais on peut vivre dans ce siècle selon la sagesse. Or, la sagesse, c'est le discernement entre le bien et le mal. Et la grâce nous amène à vivre selon la justice, qui veut dire en conformité avec ce que réclame la loi. La grâce, c'est cela, mes amis. Donc, quand on dit on est sauvé par grâce, remarquez tout le processus qui doit être reçu, intégré, pour qu'on ait un autre fonctionnement. Ensuite, la grâce nous amène à vivre selon la piété, qui est une vie de soumission à Dieu et d'adoration, comme Jésus l'a démontré. La piété, c'est ça. Je me soumets à Dieu, que ta volonté soit faite. Et c'est toi qui es dans mon cœur, c'est toi que j'adore. En esprit, je l'ai décidé. Et en vérité, d'après comme tu m'as dit de faire. Un vrai adorateur, c'est cela. Dieu au centre, et ensuite, comme Dieu demande de faire. Nous allons voir donc que cette forme d'adoration, c'est ce qui va nous transformer. Nous avons vu comment ce principe est dans le cœur de l'univers, dans le monde physique comme dans le monde spirituel. Mais voyons le principe de la véritable adoration. Dieu doit être l'objet et le sujet de l'adoration. Quand il est l'objet, c'est ce qui se présente à la pensée, puisque le péché commence dans la pensée. Donc quand on met Dieu dans sa pensée, on va l'aimer de toute notre pensée, on ne va plus dépenser pour le diable. Si tu ne penses qu'à Dieu, tu te couches, tu te lèves, mais c'est Dieu qui est dans ta pensée. Donc, maintenant, il va devenir l'occasion ou la matière pour l'activité de l'esprit. Remarquez bien, nous aimons ce petit outil, n'est-ce pas? Combien de fois nous jetons nos regards dessus dans la journée? Vous avez déjà compté? Il occupe une grande place dans notre cœur, pas vrai? Et on est en connexion régulière, pas vrai? Mais comptez le nombre de fois que Dieu vient dans votre esprit dans la journée par rapport au portable et faites la balance. Quand Dieu est le sujet de l'adoration, c'est ce qui va constituer la matière, le thème ou bien le motif de notre état ou de notre activité intellectuelle. Qui veut dire, quand on est en adoration, qu'on soit au temple, à la maison, au travail, mes amis, Dieu, il devient celui qui ne sort jamais de notre esprit. On est un maçon, mais on fait le travail de la maçonnerie comme Dieu le demande. Jésus était charpentier, il faisait les tables bien, les chaises à quatre pattes pour qu'on ne tombe pas. Donc quand on est en adoration, on donne des choses qui fonctionnent correctement. Ça, c'est la justice.
On est femme à la maison, on fait le travail correctement. Ah oui, parce qu'on est en adoration à la maison. Parce que c'est une question de connexion, de dépendance et de fonctionnement permanent. Voici donc les trois phases de la véritable adoration. Dieu qui appelle, l'homme qui répond et il y a moment de partage. Voyons une démonstration de ce principe dans la personne de Moïse. Dans Exode 34, versets 1 à 3, l'Éternel dit à Moïse, « Taille deux tables de pierre comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. » Remarquez, hein? Quand on a brisé les 10 commandements, Dieu doit les réécrire. Et chaque fois que nous péchons, nous brisons l'alliance, Dieu doit réécrire jusqu'à ce que cela reste et que nous marchions droit et debout. Et c'est pourquoi nous disons, pardon papa, j'ai cassé l'alliance. Refais pour moi s'il te plaît. Mais ce n'est pas une machine. Il faut rester debout. Deuxièmement, Dieu lui dit, sois près de bonne heure et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Tu te tiendras là devant moi sur le sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi et que personne ne paraisse sur toute la montagne. Et même que ni brebis ni bœuf ne pèsent près de cette montagne. Moïse tailla deux tables de pierre comme les premières. C'est un petit peu bloqué. La technicienne. Clique pour que ça avance un petit peu. Merci. Il se leva de bon matin et monta sur la montagne de Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Et il prit dans sa main les deux tables de pierre. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain, il ne but point d'eau. Et comment il fait pour vivre en plein désert? Quand on est en connexion, un ciel net, on vit la vie éternelle. Dieu est descendu le rencontrer. Il est en connexion directe avec Dieu. Il n'a plus besoin de dépendre des arbres. Il dépend de Dieu personnellement. C'est fort cela. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Souvenez-vous, Dieu a écrit 10 paroles et il veut nous trouver avec 10 paroles. Moïse, après les 40 jours, il a reçu les 10 paroles et les autres instructions. Il descendit de la montagne de Sinaï, ayant les deux tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait. Et pourquoi? Parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Parler avec l'Éternel. La parole de Dieu pénétrait Moïse. L'en-dedans de Dieu entrait dans Moïse. Et à la fin, Moïse brille comme l'Éternel. Après 40 jours seulement. Amen. Voici ce que donne l'adoration. Lorsque nous entrons en proximité avec Dieu, la nature de Dieu nous est conférée. Et après, c'est pour que nous puissions briller comme Dieu. C'est ça le projet de Dieu dans l'adoration. Et c'est pourquoi Satan fait en sorte qu'on n'a pas de temps de lire la parole, pas vrai? Quand on commence à lire avec la bonne volonté, un petit souffle vient près de l'œil, un petit sommeil doux descend. Et après 10-15 minutes, on dit, papa, au revoir. Mes amis, c'est un combat. L'adoration est un combat. Remarquez bien, voici les trois mouvements. Dieu a appelé Moïse. Moïse monte sur la montagne, donc il entre en proximité et en passant les 40 jours à parler avec Dieu dans l'intimité, la peau de son visage rayonnait. Il ne le savait même pas. Donc, quand nous sommes en adoration, Dieu nous sanctifie, il nous transforme. On ne le remarque pas, mais Dieu voit comment nous progressons.
Et c'est pourquoi à la fin, il doit sceller ce qui est conforme au ciel. De même aussi, Dieu va aménager le sabbat comme temps de partage avec lui, afin d'obtenir que notre âme soit exposée à sa lumière et à sa sainteté. Voilà pourquoi Dieu va aménager le septième jour, 24 heures dans la semaine, pour que nous puissions passer plus de temps en sa compagnie. Voilà. Et Satan sait que cet espace-temps est qualifié. C'est pourquoi il fait les chrétiens prendre un autre jour. Parle à Dieu, mais ne le rencontre pas, ne va pas trop près de lui. C'est pourquoi il a changé le jour de repos, pour que nous ne soyons pas exposés à la présence directe de Dieu. Dans ce moment de partage, Dieu fait son travail imperceptiblement en tout vrai adorateur. Et voici ce que Dieu lui-même déclare dans Ézéchiel 20, verset 12. « Je leur ai donné aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connussent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. » La sainteté, c'est la nature de Dieu. Moi, je suis vendu au péché. Mais maintenant que Jésus est mort pour moi, j'ai accepté Jésus comme sauveur, je suis un racheté. Et maintenant, je viens en rendez-vous de sainteté chaque septième jour. Le chiffre 7, c'est chiffre de perfection. Donc, je me mets en perfectionnement. C'est pour sortir avec le bac. C'est pourquoi il y a 9 mois d'école, pas vrai? C'est pour passer en grade au fur et à mesure jusqu'à arriver au bac. Et ceux qui ont réussi le bac, université pour eux, la vie est devant eux, n'est-ce pas? Alors, Jésus demande des preuves d'amour concrets. Dans Jean 14, verset 15, il nous dit, « Si vous m'aimez, donc si je suis dans votre cœur, qu'est-ce que nous allons faire? Gardez mes commandements. » C'est une affaire de cœur. Et ceux qui disent que les commandements sont pénibles, c'est parce qu'ils n'ont pas assez d'amour pour Jésus qui les a sauvés. Mais quand Jésus t'a sauvé et qu'il a mis le cœur nouveau, transplantation cardiaque divine, il met le Saint-Esprit dans ce cœur nouveau, tu peux aimer les commandements et garder les commandements. Parce qu'effectivement, est-ce que voler, c'est dur de ne pas voler? Est-ce que c'est dur de ne pas prendre un couteau pour percer quelqu'un? Est-ce que c'est dur ça? Déjà, prendre un couteau pour couper quelqu'un, cela nous rebute, pas vrai? Alors, les commandements ne sont pas pénibles. Quand on aime Dieu, on peut respecter chacun. C'est un mode de vie. Car on n'a pas envie d'être en prison, pas vrai? Donc, pourquoi ne pas vouloir vivre libre aussi et ne pas être dans la prison du diable? Car le péché nous emprisonne. Alors, dans les 10 commandements, il y a un qui fixe un rendez-vous d'amour de 24 heures chaque semaine. Et c'est pourquoi Dieu l'a écrit. Dans les autres commandements, il a dit « tu ne », mais dans celui-ci, il va dire « souviens-toi » pour montrer que c'est spécial. « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier ». Sanctifier qui veut dire « mettre à part pour me rencontrer, je suis saint, mets ce jour à part pour qu'on se rencontre ». Et il nous dit « tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Ce n'est pas une affaire de ne pas travailler seulement. C'est rendez-vous de sainteté. Et pour bénéficier de la sainteté, on s'arrête de travailler. Quand on travaille pour le patron 6 jours, à la fin du mois, il nous donne un salaire, n'est-ce pas? Et nous sommes contents. Eh bien, quand on a fini d'adorer, Dieu nous donne notre salaire. Et ce salaire s'appelle sanctification et bénédiction. Amen. Alors, observez ceci.
Qu'est-ce que vous voyez? D'accord? On voit bien que c'est une cérémonie de mariage où on voit la mariée, on voit aussi les cavalières d'honneur. Remarquez bien, toutes ces filles sont belles, n'est-ce pas? Et elles ont toutes un bouquet. Mais quelle différence y a-t-il entre elles? La mariée. Et qu'est-ce qui fait la différence de la mariée? Sa robe. Si le fiancé vient, est-ce qu'il va prendre n'importe quelle fille parce que toutes elles sont belles? Automatiquement, ses regards se portent sur la mariée. Et le bouquet de la mariée n'est pas comme le bouquet des autres femmes. Voilà. Ce qui veut dire, le sabbat, on ne peut pas tromper Dieu d'un jour. Puisque Dieu, il est en alliance avec le chiffre 7. C'est son chiffre. Alors, parmi toutes celles-là, une seule est la mariée. Parmi les 7 jours de la semaine aussi, mes amis, il n'y a qu'un seul qui soit jour de Dieu. C'est le 7e. Les 7 jours de la semaine ont tous 24 heures, n'est-ce pas? Mais il n'y a que les 24 heures du 7e jour qui sont bénies et sanctifiées. Si tu donnes à Dieu le vendredi ou le dimanche, oui, tu lui as donné 24 heures, mais tu n'as pas obtenu ce qu'il voulait te donner, à savoir sanctification et bénédiction. Donc, il n'a pas dit tu vas m'adorer un 7e jour, il a dit tu vas m'adorer le 7e jour. Et ça, c'est important, n'est-ce pas? Dans ce but, Dieu fait une recommandation qu'on trouve dans Ésaïe 58, versets 13 et 14. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, c'est le seul jour de la semaine que Dieu a nommé personnellement. Parce que samedi veut dire sabbat, qui veut dire repos. Il a dit, tu travailleras 6 jours. Il n'a pas donné de nom au jour. Mais le 7e, il a dit, c'est mon jour de repos. Il l'a nommé lui-même. Et c'est pourquoi c'est son jour. Il dit, pour ne pas faire en ce jour-là ta volonté. Si tu fais du sabbat, tes délices. C'est-à-dire, je suis dans ton cœur. Tu vas apprécier le rendez-vous d'amour que je t'ai fixé pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant. Et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Et si Dieu devient notre sujet de plaisir, il nous promet, je te ferai monter sur les hauteurs du pays, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Et quand Dieu a parlé, mes amis, il a parlé. Dieu ne ment pas. La véritable adoration conduit l'adorateur à entrer donc en proximité avec Dieu, se nourrir de sa parole, contempler la personne de Dieu, son caractère. Et c'est ça qui va transformer sa propre personnalité. Parce qu'il va penser comme Dieu pense et il va agir de concert avec Dieu. Et comme l'apôtre Paul l'explique dans 2 Corinthiens 3, verset 18, l'Esprit Saint fait ce travail. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. En 40 jours, Moïse a été lumineux. Eh bien, le Saint-Esprit, il est en train de nous rendre saints et lumineux en dedans. Et c'est pourquoi lorsque Jésus va venir, il va sonner sa trompette. La lumière qui était en dedans va transcender l'enveloppe corruptible. Et il a dit, tout vivant, nous sommes rendus en un clin d'œil immortel parce que l'en dedans était déjà immortalisé. Amen. Par la véritable adoration, nous vivons déjà la vie éternelle. Cette adoration qui met l'adorateur en conformité avec Dieu lui permettra d'obtenir le sceau de Dieu, ce qui va le qualifier pour traverser les 7 fléaux qui vont bientôt tomber sur l'humanité entière. Et nous lisons
ce dernier verset, Apocalypse 7, voici ce qui est en train de se faire et pour lequel Dieu nous invite à la véritable adoration. Apocalypse 7, versets 1 à 3. Apocalypse est le dernier livre de la Bible. C'est la révélation finale que Dieu nous donne pour que nous puissions ne pas rater le rendez-vous avec Jésus. Mais rendez-vous avec Jésus, mais debout. Et voici ce qui se fait maintenant. Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Ils retenaient les quatre vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Le front. Dieu marque les véritables adorateurs au front. Puisqu'il faut l'adorer en esprit et en vérité, Dieu regarde comment est ton nom dedans. Et si ton nom dedans est conforme au ciel, il met son sceau sur toi. C'est pourquoi un chrétien est une photocopie conforme de Jésus-Christ certifié céleste. Et c'est pourquoi, ayant été mis en stage de vie éternelle, Dieu va à la fin donner la note si nous sommes parmi les vrais adorateurs. Alors, amis chrétiens, ton front, qui va le marquer? Parce que chacun a son crayon, Satan a son crayon et Dieu a son crayon. Mais qui aura le privilège de marquer? On a vu qu'au départ, on est vendu au péché. Satan veut marquer. Si tu restes à pécher, il aura autorité pour marquer. Mais si tu reçois Jésus dans ta vie et qu'il te qualifie dans la véritable adoration, alors c'est le crayon de Jésus qui va être posé sur ton front. Alors, pourquoi ce soir ne pas dire au Seigneur Jésus, « Seigneur Jésus, je préfère ton crayon. J'aurais aimé que tu marques mon front. » Combien de ceux qui sont ici ce soir qui voudraient que Dieu pose son crayon sur leur front pour mettre son sceau d'adoption, mais pour l'éternité. Amen. Que Dieu nous soit en aide dans ce conflit d'adoration, mais que nous puissions nous trouver avec Jésus dans le cœur et le Saint-Esprit nous remplissant de l'image de Dieu et que Dieu puisse mettre son nom sur notre front. C'est un fils, tel père, tel fils, il est saint comme je suis saint. Alors, permettons à Dieu de nous sanctifier. Amen. Demain donc, nous sommes ici en rendez-vous d'amour avec Dieu. Et nous allons poursuivre le sujet, car l'autre moitié est encore très belle. Donc, ne ratez pas ce rendez-vous. Souviens-toi, demain à 9h45, rendez-vous de sanctification. 8h45, merci. Vous êtes donc fidèle adorateur, n'est-ce pas? Très bien. Donc, 8h45, rendez-vous d'amour avec Dieu pour passer des moments de délices en sa compagnie. Nous allons donc nous mettre debout pour prier et ensuite nous chanterons notre chantelle. Éternel, notre Père, notre Dieu, depuis longtemps, nous avons dit notre Père qui est aux cieux. Mais ce soir, tu rappelles à tes enfants qui veulent être sanctifiés et que ton nom soit mis sur eux, tu voudrais que nous soyons parmi les vrais adorateurs. Et tu as envoyé Jésus personnellement pour nous dire que tu veux de vrais adorateurs. Et tu nous as dit, tu nous as donné le sabbat comme espace-temps pour nous qualifier en adoration céleste. Nous voulons être de ces vrais adorateurs qu'à la fin, tu pourras sceller pour les rendre inébranlables et les garder debout jusqu'au retour de Jésus. Nous te demandons, alors que Satan s'active pour
manqué beaucoup d'humains. Toi, tu nous invites pour que toi, tu aies le privilège de vaincre en nous et sur nous. Continue le travail que tu as commencé et donne-nous, dans ce cœur nouveau que tu nous donnes, de nous soumettre à toi et de trouver du plaisir en toi et de la joie à t'obéir. Nous te prions au nom de Jésus et pour ta gloire. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête et sans rien que le chant de sa voix. Tous ensemble. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître sans jamais m'éloigner de ses voies, sans que rien ici-bas ne m'arrête et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné et que rien ici-bas. Sans que